C'est toi qui as poussé l'échelle pour que je me casse la gueule. C'était bien ce que je pensais. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur d'Aragon ? Série Sueur froide. Nous vous proposons aujourd'hui Les yeux de la nuit avec Bruno Kremer, Clémentine Célarier et votre hôte Claude Chabrol. Charles d'Aragon grimpait sur une échelle, voulut faire taire un merle qui l'agaçait jusqu'à la folie. Est-ce que l'échelle glissa ? Fut-elle poussée par des mains criminelles ? En tout cas, Charles tomba et dans sa chute devint aveugle. Devenir aveugle à cause d'un merle ? Quel destin ! Quelle histoire ! Rigole, rigole, mon petit. T'en fais pas, tu fais rien pour attendre. T'as tendance à oublier un peu vite que c'est moi qui t'ai recueilli tout gosse. T'as pris du poil de la veuve depuis. C'est toi qui as poussé l'échelle pour que je me casse la gueule. Dis-moi, mon oncle, qui c'est ce nain qui tient un parapluie plus grand que lui ?
C'est mon grand-père. Lousse. Ils se foutent de moi. Ça fait des semaines que ça dure, leur petite combine. Assez. Assez. Ça suffit. Ça suffit. Tu n'as besoin de rien, mon chéri ? Non, je vais me coucher. Si. J'aurais besoin de voir Claire. Si je le prends, je vais dormir à point fermé. Et elle va aller le retrouver dans sa chambre. Plein de soucis derrière ce front-là. T'as deviné. Quelque chose me tracasse. Quoi? Dis-moi. Vraiment, tu veux savoir? Mm-hmm. Eh ben, ces soupirs, ces rires, ces gloussements. Quel rire, quel gloussement. Ceux que vous poussez ensemble. Tu plaisantes? J'aimerais bien plaisanter. Sérieusement, tu vas pas être jaloux, mon amour. Si tu me le demandes aussi gentiment, je serai pas jaloux. Il rit parce que c'est sa nature. Et j'avoue qu'il m'amuse. Voilà. Charles, c'est très bien que c'est pas la même chose. Dis-moi, Charles, chéri. Oui. Tu as pris ton comprimé? Oui, mon ange. Si. Non. Ce soir. Comme ça? Tout habillé? Ça se laisse faire avec moi. Pour mieux penser à lui. Classique. C'est la meilleure des solutions. On va doubler la dose. Doubler la dose? Du poison, maintenant. Je vous demande si de le faire disparaître n'est pas une preuve d'amour. D'amour? Hier encore. Tu sais, c'est une mort douce qu'il lui faut. Il souffrira pas. T'en es sûr, au moins? Oui, oui, certain. Il râlera un petit coup et ça sera fini. La mort. La mort. La mort maintenant. Oh.
Depuis cette histoire d'échelle, il m'en veut. Où étais-tu? On a presque fini de manger. Je t'ai cherché partout, mon oncle. J'ai été faire un tour sur Voltigeur. Ah bon? Ça t'étonne, hein? Oui, un peu. Pourquoi un peu? Ça devrait t'étonner beaucoup qu'un aveugle puisse monter à cheval. Charles, ne t'énerve pas comme ça. Violette, le repas de monsieur, je vous prie. Laissez Violette. Je n'ai pas faim. Charles, tu trouveras une petite place pour un morceau de tarte? Je l'ai faite pour toi. Sens. Sens comme elle sent bon. Fais-moi plaisir. Du poison dans ma tarte préférée. Du cyanure, probablement. Chérie, ma portion est beaucoup trop grosse. Prends la mienne. Elle a pensé à tout, même d'échanger sa part. Si elle ne mange pas la sienne, je les tue tous les deux. Tu veux me faire plaisir? Avec plaisir. Croque un morceau de ma tarte, comme tu aimais le faire autrefois. Un morceau de la mienne aussi. Après toi, moi, un mot. Ils l'ont pas mis dans la tarte. Elle l'aurait pas mangé quand même. C'est sûrement le café. Si tu m'as trahi, tu t'es laissé monter par ce jeune coq. Tout doux, Voltigeur, tout doux, mon champion. T'en fais pas. Ma femme, mon cheval. Pas si vite, petit saligo. Tu veux pas mes chaussons par hasard? Ils mourront pas par la famine. C'est décidé. Pas de pitié. Parce que si ça continue, je vais devenir cinglé. C'est pas une vie d'être traqué comme un rat. Entre, entre. Sympathique. Je suis fier de toi. Vraiment? Vraiment. La manière dont tu t'occupes du haras, des étalons, des saillies. Encore que, avec les échelles, je te trouve un peu trop... Un peu trop quoi? Voilà. Je suis si fier de toi. Que je t'ai déjà couché sur mon testament. Tout prévu. Pour Anne,
propre prof. Et pour toi, elle est belle. Je suis content que tu sois de mon avis. Avec un peu de patience, ce sera bientôt à toi. Mais tu délires ? D'ailleurs, tu grelottes, t'as peut-être de la fièvre, mon oncle. Je ne grelotte pas. Je trace des dents. Qu'est-ce que je disais ? Ah, oui, le testament. Il y a des choses dont il faut avoir le courage de parler, même. Si ça peut faire de la peine autour de soi... On ne sait jamais. On peut dégringoler dans un escalier, glisser sur une peau de banane, recevoir un pot de fleurs sur la tête. Mon oncle, tu es d'un pessimisme. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que tu montes voltigeur. Je te l'interdis. Lui aussi, d'ailleurs. On ne m'écoute plus dans cette maison. Allez, laisse-moi. Qu'est-ce que je pensais? Je suis cocu. Je vais crever. Je vais crever la peau. Le rasoir, j'aime pas beaucoup. Le revolver, c'est bruyant. On va voir. Jouer, jouer.
Charles, qu'est-ce que tu fais là, mon chéri? Tu écoutes aux portes? Anne. Tu es tout pâle. C'est toi qui as parlé? Qu'est-ce que tu as, mon amour? Hein? Je croyais que... Mais qu'est-ce que tu croyais? Je croyais qu'il me trompait. Mais avec qui? Avec Bruno. Tu les as jamais entendus? Ça fait 3 mois. C'est de son âge, elle est enceinte et voulait t'en parler au déjeuner. Moi aussi, je t'aime, Charles. Et aussi l'histoire du poison, tu comprends? Ça m'a troublé. Mais quelle affaire du poison? Je ne sais pas. La tarte. Oh, ma pauvre tête est malade. Les soupçons, quoi. Mais Charles, mais qui veut t'empoisonner? C'est pour ça que tu n'as plus faim et que tu manges du chocolat en cachette. Oh, Charles, mon amour, viens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est Bruno et Violette qui vont au cinéma. À chanter. Mais on dirait que je vois. Mais oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Je les vois. Il dit qu'il entend le merle chanter. Violette. Bruno. Ma petite chérie. Surtout, surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que prêcher le faux pour savoir le vrai peut avoir pour conséquence de terribles catastrophes, surtout quand on est aveugle, des deux yeux. Regardez, ce pauvre monsieur Charles d'Aragon. Il est mort sans avoir connu le délicieux plaisir de savoir l'horrible vérité. Cette sacrée vérité. Qui souvent ne vaut pas un bon mensonge. Quand celui-ci vous rend heureux, cela va sans dire. Et voilà. Bonjour chez vous.